jouer à quoi? Au Scrabble. Tu gagnes? Oui. Il est bien gentil, il écoute ce qu'on lui dit. Il triche pas? Pas du tout. Non. C'est un bon gamin. Mademoiselle Volmont. Et c'est qui gagne? C'est la dame. Elle gagne, elle triche? Non, elle gagne parce qu'elle joue bien. Les enfants, eux, ils trichent. Hein. C'est des malins. Hein. Pourquoi tu triches? Je sais pas. Ah, tu triches comment? Je triche. Tout simplement, avec des cartes. Tu mets des cartes dans ta poche? C'est plus fort que toi. Ouais. Ça vous gêne pas d'être avec des tricheurs? Non, au contraire, mais j'ai encore rien compris au jeu. Ça va trop vite. Je fais ce que je peux, mais je n'y arrive pas. Ça va trop vite. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est SNI, Solidarité Nationale et Internationale. C'est bon à rappeler que ce n'est pas une première fois. Je veux dire, généralement, il y a des jeunes qui viennent de temps en temps, justement, faire une petite visite auprès des résidents. Oui, c'est pas la première fois. L'année dernière, déjà, SNI était venu. Ce sont effectivement là aujourd'hui des enfants de SNI. Il y a eu auparavant des enfants de AMI, mais ils n'ont plus assez d'enfants les jeudis après-midi, en tout cas pendant les périodes de vacances. Donc c'est SNI donc maintenant qui vient. Enfin voilà, après. On s'adapte. Approximativement aujourd'hui, combien de jeunes approximativement? Alors, il y a 9 enfants. Voilà, 9 enfants. Alors, avec des accompagnatrices, oui. Alors, ils jouent au loto, un petit peu au Scrabble également. C'est l'occasion de jouer ensemble. C'est un bon moment de partage également. Oui, bien sûr, oui, ils partagent, ils jouent, ils trichent apparemment aussi. Ah, c'est pas bien ça. Bon, apparemment, plus les enfants que les seniors. Mais, bon. Mais ils s'amusent bien. Hein. C'est quand même bon enfant. Et voilà. Et après, ils vont partager un goûter quand ils auront fini de jouer.